un dépanneur faire ça. Là, je vous avoue, je comprends rien. Hein. C'est un dépanneur, quoi. Il est pas en train de sauver une vie, hein. Il est en train de sauver un scooter. Hein. Enfin, du moins, une moto. Sans forcément, quoi. On se fait un petit TikTok. Waouh, on est trop belle. Waouh. Il y a du monde. Je vais les laisser passer. Je pense qu'ils sont en formation. Là maintenant, avance. Oh, je peux plus les gens. Mais allez, elle fait tout sauf conduire là. Vous voyez qu'il faut vraiment faire gaffe, hein, qu'il n'y ait pas de voiture derrière vous, hein, parce que hein, j'aurais eu un véhicule derrière, bah, le mec il me serait rentré dedans. Il était pas prêt à s'arrêter là. Il était loin de son frein. C'est aussi pour ça que je vous dis, je vous conseille de rouler soit à gauche de la voie, soit à droite. Ça vous permet d'éviter ce genre de truc. Sympa la petite fée. Le petit interfile de la famille. Hop, à droite. Puis à gauche. Et j'ai toujours pas posé le quai. Hop là. Ouais. Ouais, il est bien le dos roule. Hein. Personne va laisser passer la dame. Sans déconner. Personnes âgées, laissez-les passer les mecs. Il y a un minimum de décence quoi. Surtout que les gars ils sont tous collés au prochain feu rouge. Aïe aïe aïe. C'est quoi le bordel là? Ils passent tous des doubles lignes blanches là, n'importe quoi. Une fois, j'ai failli me prendre un camion ici. Hop. Alors, je sais pas ce que c'est que cette Ferrari. What the fuck? Wow. Ok. Wow. Jamais vu ça, quoi. Putain, t'es en smart, tu prends la place de trois voitures, quoi. T'as pas l'impression de brûler un feu rouge, toi, par hasard. Ils sont bas le steak. Il suffirait de mettre des feux avec des radars de feu. Et les gars, je vous jure, hein, les gars, à Paris en tout cas, je pense que grâce à Paris, on serait en train de rembourser. Merci, c'est cool. On pourrait rembourser la dette nationale en allez, un mois ou deux, quoi. Que plus personne ne s'arrête au feu rouge. Hein. On appelle ça des gratteurs, mais c'est quand même assez violent. Hein. L'autre qui envoie des textos pendant qu'il conduit un scooter. La priorité à droite. Et j'y vais, je laisse passer les piétons. C'est normal.
Et c'est parti. Hop, on met le petit clignoton au dernier moment. Ne klaxonne pas, on appelle ça une priorité aux piétons. Bah mec, qu'est-ce que tu fais là? Oh, calme-toi. Oh là là. J'ai anticipé. On est sur le sas à vélo et on brille le feu rouge. Magnifique, magnifique. Mais non, on n'avance pas avec ta putain de BM, tu vas bloquer tout le monde. Tout ça pour se retrouver là. Bah voilà. C'est vraiment à croire que les gens ils ont jamais conduit à Paname quoi. Bah oui, bah c'est mieux, voilà. À la base c'est là où t'aurais dû rester depuis le début. Bon, ma moto est en réparation. On m'a bien entendu prêté cette petite 620. Tu vois, elle est pas bête du tout. Elle, t'as vraiment envie de la remercier. C'est franchement cool, hein. Elle est pas bête, elle se retrouve là, elle se dit merde, si j'avance là je vais bloquer tout le monde. Donc elle se met au milieu, elle attend, enfin elle se met au milieu, elle se met avant, elle vend la ligne blanche là et puis elle attend. C'est preuve d'intelligence. Je vous jure que si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup moins d'embouteillages dans Paname. Hein. C'est certain. Oui, là, je vais pas me mettre devant, ça sert à rien de bloquer. Voilà, ça permet de fluidifier le trafic. Non. Oh là là, putain, scooter, hein. Putain, le seum. Bah oui, et puis qu'il y a un stop. Oh oui. Oh le bâtard. Ah oui. Ah quand t'es en moto, quelqu'un te fait ça, tu dois flipper quoi. Les gens sont tellement pas habitués à ce qu'on les laisse passer que même quand tu leur fais un signe de la tête, ils osent pas. Je retrouve ma belle dans quelques heures. Il me tarde, vous imaginez même pas. Oh comment ils se suivent, tellement proches. C'est dangereux ça les gars. Hein, réfléchissez deux secondes. Les trois scooters là qui sont collés les uns aux autres. Parfait ça. Il y en a un qui se plante et trois se plantent quoi. C'est... Faire un petit strike là, magnifique. Ça, c'est ce qui me stresse le plus, mec, j'ai vraiment... Aïe, 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 mec, il me colle le cul, là, en mode... Allez, pousse-toi. T'essayes soi-disant de mettre la pression, bah ouais, tu me la mets, effectivement, parce que moi, si je suis obligé de freiner devant, tu me rentres dedans et tu me tues, couillon. Parce que là, il n'y a pas de... J'ai aucune chance de m'en sortir. Si le véhicule devant pile, moi, je pile, et lui, il est tellement proche de moi, hein, il était à 2-3 mètres, je sais pas si ça se verra... dans le rétroviseur, mais vraiment à 2-3 mètres de moi, donc lui il me rentre dedans et je finis en sandwich entre les deux véhicules. C'est obligé, hein. Voilà, c'est y a pas de ah, je vais déboîter sur la gauche ou sur la droite. En général, t'as pas le temps, surtout quand t'as quelqu'un qui vient de percuter une seconde juste après, quoi. Donc t'es mort, en fait, t'es mort. Donc ça, c'est le genre de truc. Ouais, là, je suis prêt à descendre de ma moto et lui mettre un gros coup de boule à ce fils de parce que. C'est trop dangereux quoi, c'est carrément trop dangereux quoi, y a pas de... voilà. Là c'est, tu mets ma vie en danger rien que parce que soit disant t'es pressé et vu ce que tu viens de faire juste après, pose-toi les bonnes questions. Regarde lui aussi pareil, il est en train de coller la voiture devant alors qu'on va se retrouver au feu juste après.
Quel est le putain d'intérêt, les gars? Sortez-vous les doigts du cul. Ce sera ma petite gueulante, les 10% pas cool de cette chaîne, mais sérieusement, ça me fait monter, vraiment, ça me fait monter la moutarde au nez, quoi. Voilà, et voilà, et donc nous sommes sur un feu rouge. T'as bien fait de lui coller le cul à la voiture. C'est magnifique. Bon, c'est pas grave. Et je vais retrouver ma meule là dans quelques minutes. Ça va aller mieux. Enfin, tout ça s'est réparé. Ça s'est réparé. Ça s'est réparé. Ça s'est réparé. Une pièce toute neuve sur ma moto ancienne de 2015. Oh, ça fait du bien de remonter dessus. Ciao. Ah bah ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver sa moto.